Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de The Division sur PC. Cette fois-ci qui sera sans Didi Fantôme car il est malade et il préférait se reposer plutôt que de continuer. C'est pas grave, je le comprends. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. Dans cette vidéo, nous ferons le Flag Tyrant District, entièrement bien sûr. Donc nous allons commencer par là. Et c'est parti! Donc j'espère que le son est bien, que la qualité de l'image est bien, qu'il n'y ait pas trop de lag. Normalement, il devrait pas avoir de lag, ça devrait aller. La qualité du son devrait être bonne également. Là, la zone contaminée, j'ai envie d'aller la voir. Parce que j'ai le filtre nécessaire, bah, j'irai la voir après, je pense. Même si c'est pas une mission. Ah, un approvisionnement de l'eau, d'accord. Tout le temps les mêmes messages. Hein. Voilà. Bon, avant de continuer, on va juste changer une compétence. Faire ça quand je suis en solo. Comme ils font moins de dégâts et que je leur fais plus de dégâts, j'ai pas vraiment besoin de heal. Attention, niveau de pression de l'eau critique. Attention, force hostile en approche. Voilà. Un ennemi? Non, il n'y avait rien, je me disais bien. Attention, force hostile en approche. Voilà. Il devrait encore avoir deux pompes. Attention, force hostile en approche. Niveau de pression de l'eau critique. Là-haut. Donc là, j'ai vu, on était à 50% du jeu. Donc je ne sais pas si ça compte la totalité, les appels téléphoniques, etc. Donc on verra bien. Attention, force hostile en approche. Voilà. Donc j'ai hésité à acheter une arme violette, mais je me suis dit non, finalement je vais garder mes sous pour plus tard, on sait jamais. Trouve un bon sniper violet. Pour le moment, j'ai beaucoup de dégâts, du coup ça me suffit. Avertissement, pompe en état de marche, pression de l'eau en cours de stabilisation. Et voilà pour celle-ci. Ah c'est vrai, c'est une recherche sur le virus, donc si on doit quand même aller dans la zone du parc. Hein. Car c'est quand même une grande zone. Hein. Filtre d'air 3 quand même. Donc, elle va être un peu longue la mission, ça, je risque de la fail une fois ou deux. Ça ne m'étonnerait pas.
voit les ombres apparaître au sol. Enfin, on voit une sorte de ligne. Du moins, moi, je vois une sorte de ligne, je sais pas. Peut-être la synchro verticale. Ça m'étonnerait, mais bon. Oh, texture qui charge pas. Ouais, ça charge. Bon, après, j'ai pas un PC si performant que ça. Hein. C'est. Là, c'est vraiment le processeur qui est en lacune, je pense. Je n'ai qu'un i5-3570K, du coup. Je n'aimerais pas qu'il soit en lacune. Oh, des Riker. Désolé, j'ai un peu la voix enrouée. Bah, depuis hier, hein, déjà. Présence hostile détectée. Oh là, je suis comme un pied. Attention, présence hostile détectée. J'ai eu chaud. Ok. Donc, que m'as-tu looté en bleu? Ouais, m'a pas l'air très très bien. Là, il doit être là-bas. Il y a un drôle de bruit. Pas trop compris. Les abrutis ont dû laisser la clé pas loin. Les civils sont en sécurité. Merci. On vous doit une fière chandelle. Pas de quoi, pas de quoi. Il reste 2, 4, 6, 8, 9. On risque de faire une petite. Écoutez, j'y connais rien en électronique à part les trucs. Là, je suis en. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. J'arrivais pas à cliquer. Voilà. Ah là là. J'en vois pas ça. Mon petit chien. Pauvre petit chien. Oh, il y en a qui viennent pop devant moi. Marrant. Il y a beaucoup de clipping là. Donc voici l'entrée du Madison Garden, Madison Park Square, je crois. Sauf que niveau 16 quoi, je suis niveau bientôt. Non, c'est vrai. Merci du conseil. Hein. Oui, il a dit attention, ça brûle. Donc, matériel contaminé détecté. Donc voilà. Vous quittez la zone de contamination. Je sais, je sais. Regarde, j'y retourne. Alerte, lancement de l'analyse de contamination. Il y en a 4 à trouver. Oh. Ça va pas être facile, hein.
Bon, faisons d'abord le tour avant de faire le centre. On ne sait jamais. J'entends une sorte de bruit. C'est vrai qu'ici on voit rien, mais bon. Ah, mon PC tourne toujours aussi vite. Hein. Bon, ce sera sûrement comme ça, mais je crois que vous ne l'entendez pas. Du coup, ça va. J'en ai pas vu un seul pour le moment. Regarde là. On s'est clairement au centre. Hein. Hop là, un ici. Alerte, lancement de l'analyse de contamination. Il n'y a pas un là ? Non. J'en ai vu un tout au fond. Et donc il en manque un qui doit être pas loin du début. Alerte, lancement de l'analyse de contamination. Voilà, par ici. À gauche. Alerte, lancement de l'analyse de contamination. Vite. Tiens, tiens, tiens. Je me demande qu'est-ce que ça fait quand on rentre dans une zone contaminée sans avoir le filtre d'air nécessaire. Je sais pas. Dans ce temps-là, il y a un chien qui y est, mais il va très bien. Oh, un gros coffre. Analyse de contamination terminée. Données transférées au serveur JDF. Alors, qu'avons-nous reçu de très intéressant? Beaucoup de DPS mais je gagne 3000 d'HP. Ouais, alors j'attendrai de modifier l'équipement. Je préfère utiliser une FIPS. Ouais, je vais modifier ces deux équipements. On verra bien. Regarde le type de mission qu'il y a. Avec le système pénitentiaire suite à une série de malentendus. Mais les types qui sont sortis de Rikers, c'est pas la même chose. Enlever des gens en pleine rue, ça, mes gars, ils ont jamais fait. Avec eux, les gens payaient ce qu'ils devaient. Et ils étaient protégés. Bref, si vous pouviez aller aider ces civils... Ok. Encore dans les tunnels pour le sauvetage, les gars. Je vais aller chercher l'appel téléphonique. Il est juste là, quelque part. Il est caché dans la poubelle. Non. Pas ici, non plus. Où est-il? Où est-il? Mais what? What is the fuck?
Allez, là, je suis dessus normalement. C'est très gentil. Merci. Il n'y a pas de quoi. Non, bah... Ok, d'accord. Bon, pas de problème. Hein. À moins qu'il soit en dessous, mais qu'il soit remonté un petit peu, je sais pas, on verra bien. Moi, je sais qu'il fallait aller par là-bas. Et bah, c'est une autre entrée. Hein, c'est tout? D'accord. Je pensais qu'il y aurait plus de monde. J'ai augmenté aussi de 1 mon emplacement de kit de soins, du coup je devrais pouvoir emporter 4. Non, non, la maladie, les belles allergies. Oh, arrêtez de me pointer avec ce truc. Civil en sécurité. Bon, déjà que je te pointe avec ce truc. Je vous offre une bière quand vous voudrez. Enfin, quand on pourra plutôt. Ok, parlons, l'officier tout en haut. Ah, il y a deux. Il y en a deux, d'accord. Attends, t'es pas sérieux? Je suis en train de te proposer de l'or là. Je suis sûr que je peux en obtenir le double. C'est toi qui vois, ma belle. J'suis moi je dis t'auras déjà de la chance et je tu sais pas descendre avec ça. Allez, mais on n'a pas le choix. On crève la dalle. On a déjà sois la sympa. Chance d'avoir trouvé cette essence. Ok. Mais seulement parce que t'es mignonne et qu'il y a déjà trop de jolies filles mortes comme ça. 500 grammes de poulet et 12 faritas, c'est ma dernière offre. Et de la sauce barbecue? Par où puis-je passer? Par où puis-je passer? Rayonté. Par là. Désolé, pelleté flic avant vous. Vous voyez un agent de la division? Vous lui proposez toute l'aide que vous pouvez. Parce que c'est eux qui sont censés nous sortir de ce merdier. Écoutez, je sais qu'on s'est cassé le cul tous, qu'on soit pompiers, policiers ou ambulanciers. L'ensemble de la Joint Task Force a fait un travail incroyable. Mais à un moment, il n'y a plus le choix. Faut appeler la cavalerie. La crise est trop grave et on n'est pas assez nombreux. La ville a besoin de plus que ce qu'on est en mesure de lui donner. Gardez votre calme. Bande de fumier. Sinon, vous êtes balèze. Voilà. Ouais, on peut dire que vous savez tirer. Content de vous avoir avec nous. Passons par là pour aller activer la source de courant. Par la fenêtre sûrement. Je fouille, hein, je fouille.
What? Donc c'est par là-bas. Et si on commençait plutôt par se calmer? Moi je suis très calme. Trop trop calme. C'est elle sur la photo. Non mec, désolé. Elle s'appelle Jennifer. Ah ouais? Eh ben lui c'est Mike. Enfin c'était Mike. J'étais en train de lui demander s'il préférait être enterré dans le caveau familial ou avec sa mère à Détroit. T'en penses quoi toi, hein? Ah c'était... Je pensais que c'était des alliés mais non. Les serveurs ont l'air toujours aussi lagués, hein. Enfin un petit peu de latence au niveau des dégâts reçus. Ouais alors du coup c'est quand même même plus rentable de garder celui-là. Encore la moitié d'un niveau et nous sommes niveau 20. C'est trop bien. Arrête de te foutre de ma gueule, non je veux pas, je continuerai. Ça doit être un tir plutôt une tireuse. Je comprends plus rien de ce que je dois faire là. Oula oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, faut pas que je monte. Faut que je trouve un moyen de passer par là-bas. Elle est drôlement longue cette mission quand même. C'est pas ce qu'on peut qualifier de court. On voit rien à droit d'effet lumineux. Civil en sécurité. Ça apprendra à ces tocards de Rikers à pas fourrer leur nez là où ils ont rien à faire. Ok. Donc il m'en reste 2, 4, 6, 7. Écoutez, j'y connais rien en électronique à part les trucs qui peuvent se revendre une fois tombés du camion. Mais mon neveu, lui, il touche. Et il dit qu'il y a un problème avec notre réseau de communication. Une antenne qui déconne ou je sais pas quoi. Et vu que la plupart des électriciens sont en train de jouer au barbecue avec les gens, ça va être à vous de la réparer. Mmh.
Ok. Donc ça veut dire qu'il y a des nettoyeurs tout en haut. Je sais que c'est pas par là, mais je regarde si les portes peuvent s'ouvrir. Tu te rappelles comment on a égorgé les gardiens? Allez les gardiens. Puis-je monter par là? Non, je ne peux pas monter par là, c'était un effet d'optique. Mon dieu, je n'ai que 15 minutes 20. Je n'aurai pas le temps. Lol. Ils ont été généreux sur les timers, ça va. Même si, tu trouves pas le chemin, ça peut arriver que tu réussisses pas. Ce qu'on va faire, on va quand même l'activer. Non mais ça va. Eh oh, c'est bon, calme. Entre-toi, toi. Allez. Voilà. Vous savez quoi? Il remarche le bordel. Où est-ce que vous avez appris à faire ça? Non, me dites pas. Si je sais rien, ils pourront pas m'obliger à le dire devant un tribunal. Comment ça hors limite? Là c'est hors limite, mais pas là. Oh le bug. Le bug de décalage quoi. Bon, on va remonter pour redescendre. Je ne vois tellement rien. C'est pas moi qu'il faut viser. Donc vous prétendez que le policier a commencé à vous étrangler? Je prétends rien du tout. C'est ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là que vous avez sorti l'arme que vous cachez sur vous? Mais en légitime défense, ma cliente craignait pour sa vie. Et elle a abattu deux policiers, tous deux pères de famille, d'une balle dans la nuque à bout portant. Comme pour une exécution. C'est curieux comme conception de la légitime défense. Je vous vois sourire, Barrett. On peut savoir pourquoi? Non, je repensais à quelque chose d'agréable. Un souvenir d'enfance. Rassurez-moi, ça n'a rien à voir avec le fait d'abattre deux innocents. Non, juste des petits chiens, des poupées, des fleurs, ce genre de conneries. Évitons les spéculations, inspecteur. Donnons-nous en fait. Ah, vous me connaissez, je ferai pas de mal à une mouche. Je suis un grand paquet de tendresse. Ok. On tente à ta tête. On va passer par là. Flûte. Flûte, flûte.
Allons aider la JDF. Après avoir pris les composants électroniques qui se trouvent juste ici. Ah là là. Donc pour vous, parlons un peu de la chaîne. Pour le prochain let's play qui suivra The Division, ce sera roulant dans le tambour. The Division. Non, The Division c'est le jeu actuel, oui, le prochain jeu ce sera Dark Souls 3. Après Division ce sera The Division, puis encore The Division. Non, ce sera Dark Souls 3. Le jour de sa sortie, normalement j'aurai le temps de sortir toutes les vidéos de The Division, si j'en fais une par jour. Voilà. C'est tout ? Non. Oh non, c'est pas fini. J'espère qu'ils réfléchiront à deux fois avant d'attaquer une patrouille de la JTF. Attention, force hostile en approche. Bien tiré. Ennemi en approche, attention ! Concentrez vos tirs. Là, ils sont en train de nous habituer à avoir plein de violets. Après, il n'y aura plus que ça, normalement. J'ai toujours pas compris ce qui est en dessous des munitions. Le nombre de chargeurs, peut-être. C'est vraiment n'importe quoi là. Je vise vraiment comme un pied. Ben il y a plein d'outils et des trucs comme ça dans cette zone, hein. Je suis refait. Alors. Ok. Tony nous a donné des infos sur la prochaine opération des nettoyeurs. Apparemment, il compte s'emparer d'un de nos chargements de ravitaillement. C'est un bon gars, Tony. Je savais qu'il reviendrait. Bon, il va falloir que vous protégiez ce chargement si on veut pas que les choses se compliquent trop. Ok, chef. D'accord, chef. Je regarde juste vite fait, j'ai combien de ravitaillement pas de ravitaillement de 300 720 1040. Ok, je pourrais améliorer côté défensif plus tard. Attention, élément hostile en approche. Tu vois pourquoi je sens que je suis du mauvais côté. Ah non. Attention, élément hostile en approche. Ah oui, c'est par là-bas. Donc c'est ce type de mission. Allons-y.
Personne, ok. Là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Touche pas mon ravitaillement. Oui, je sais derrière. Wow, wow, wow. Ah non, par contre toi non. Toi c'est un non catégorique. J'ai l'impression que c'est pas fini. Parce que je défendais pas le bon, je suis fort. Niveau 20, nice. Hop, sur un ennemi. Plus il y a un agent disparu qui est juste à côté. Donc il nous reste 3 missions. 1 sur 10, what, lui il va être loin, je le sens. Mais c'est pas grave, on va le faire. Là-haut, d'accord, mais avant on va passer par là. Donc, pour ceux qui voulaient l'entendre de manière formelle, à partir de maintenant, on sera en liaison permanente avec la division. Nos opérations seront menées conjointement. On disposera toujours d'une certaine autonomie en matière de stratégie et de mise en pratique, mais ce sont les agents de la division qui auront le pouvoir décisionnel. Enfin, dans une certaine mesure. Quand vous serez sur le terrain, pas besoin d'attendre, d'appuyer sur la détente. T'as bien failli. Allez, suivons le chemin. Par le chemin. En dessous, flûte, je l'ai pas remarqué. Ah, Sylvie a l'idée. Je sais pas quoi dire. Bah dis rien, c'est très bien comme ça. Non, c'est au-dessus. Très au-dessus. Genre là, ouais. Comment ça par là-bas? Sur 10, c'est bon. On n'a pas fini. Hein. Ça va, ils sont pas trop loin. Ils sont assez près quand même. Oh, il est en bas.
Premier ascenseur qu'on peut utiliser hors des missions. Toujours avec un petit temps de chargement, sinon c'est pas marrant. Tiens, ah, c'est bon. Donc il est juste ici, pardon. Donc j'arrête de me tromper de touche. Ok, donc là on peut enfin aller là où on doit aller. Et tu tapes. Un refrain qui te plaît. Voilà. Et moi je te marave ta gueule. À coup de boule. Coup de balle plein de plomb. Non, en hauteur. Corde peut-être pour y aller. Ou comment ça se passe? Attendrait que ce soit par doute de service, hein. À moins que. Tiens. Ah là là, quand est-ce qu'on va enfin avoir des armes jaunes? Il risque 10 niveaux là. Me dites pas que c'est niveau 30. Sinon, ça va être un peu chiant, vous pourrez pas en voir. Peut-être qu'en finissant la mission principale, on obtient un. On obtient une, pardon. Ça vous enverra au moins une. Attention, présence hostile détectée. Non, toi, dégage. Casse-toi, j'ai dit. Oula. On calme ses ovaires, ok. Ta petite tête, s'il te plaît. Ah d'accord, t'es comme ça, hein. Tu me pré-shot. Hein. Je crois que c'est un objet jaune, mais non, c'est juste la clé. Ça aurait topé que ce soit un objet jaune quand même. Niveau 20. Relâchons les otages. Je sais pas combien de temps on est en vidéo là, depuis combien de temps, mais ça doit faire un petit moment déjà, pas loin d'une heure. Ça prend du temps, hein. Eh oui. Mais c'est pas grave. Bon, ça changera rien. Juste plus longtemps, au lieu de sortir une par jour, ça en sortira une tous les deux jours. Hein. J'allais dire deux par jour, je suis fou. Mais quand j'aurai une meilleure connexion, peut-être un jour. Hein. Les civils sont en sécurité. Peut-être qu'un jour ce sera mieux. Ce sera en 60 fps et tout. Ah là là. Déjà je me tape 12 heures pour upload une vidéo de 1 heure en 30 fps, alors en 60 fps je vous laisse même pas imaginer. Hein. Quelle horreur ça doit être. Alors... Non, c'est à chaque fois ça je me trompe. 720, d'accord. J'aurai bientôt ma technique ultime que je voulais. Laissez-moi passer, monsieur. Oh non, je peux appeler un ascenseur. Et moi, je vais descendre celui-là. Yeah, yeah. On est dans une zone de sûreté dans l'ascenseur. Ok.
1 minute 55 à tenir. Ennemi en approche. Attention, force hostile en approche. Attention, engin explosif détecté. Attention, force hostile en approche. Alerte, engin explosif détecté. Sur rien du tout, hein. Attention, force hostile en approche. J'ai pas le temps de faire une petite pause là. Tiens, des vêtements. Plus personne, c'est bon. On va rester proche du ravitaillement quand même. J'ai pas envie de le faire échouer. Bon bah on dirait qu'il n'y a plus rien. Allez, nous sommes bientôt niveau max dans la zone normale. Pour 10 niveaux. Après il reste la zone la Dark Zone, mais ça elle risque pas d'être en vidéo, désolé. Car il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire dedans. Comme je suis déjà niveau combien dans la Dark Zone? Niveau 8, il n'y a pas grand chose à faire. Juste tuer des ennemis, des renégats, etc. Confirmation, cargo sécurisé. Et puis on meurt beaucoup. On meurt beaucoup. Donc c'était quoi? C'est une zone 15-16 ici, si c'est la zone 16-18, oh, oui. Moi je peux déjà être à la zone 20-23. Hein. Des ennemis droit devant, je pense. Et c'est pas grave, je vais les esquiver. Toupiloupiloup. Donc on finit les deux dernières missions, puis on s'arrêtera là, enfin après avoir rendu la mission dans la planque. Et le reprendront dans la prochaine planque. Je trouve que ouais, c'est un MMO quoi, du coup c'est normal que ça se fasse zone par zone, mais bon. Au moins c'est bien pour les vidéos quoi. Ça permet de pas faire attention à l'heure, enfin autant qu'on filme et de passer de zone en zone en regardant les niveaux quoi. Par contre, je me demande vraiment ce que les DLC vont rajouter. Hein. Je me demande vraiment. Ok, écoutez-moi les gars. On n'arrête pas de me poser des questions sur la directive 51. Les types avec les montres oranges et tout ce qui se passe et auquel personne ne comprend rien. Alors ouvrez bien vos oreilles, parce que je vais... Ça vous ennuierait de m'aider à chercher? Merci. Le LNB a tiré sur le site. Ouais, en solo c'est plus difficile ce genre de mission. Complètement fou lui. À sauter de cette hauteur. Les balancer. Non. Bon bah on va descendre tout ça. Hein. Prend du temps mais bon. Donc, il y aura des ennemis sur le chemin. Tu peux le faire, you can do it.
failli me faire exploser là. Merci pour tout ce que vous faites. Pas de quoi, ça me fait plaisir. C'est vrai que ce jeu en solo c'est très monotone. Parce qu'on se fait un peu chier. Tenez. Vraiment merci. Il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Par contre, il va falloir que je vide mon avant. Montre ta tête. Montre ta tête. Allez. Enflure. Tu veux pas montrer ta tête? D'accord, bah je vais te la forcer. Voilà. Merci, vous êtes bien aimable. Oui, c'est bon. Pour le moment, il n'y a pas vraiment. Dans cette zone, il n'y a pas eu de grande mission. Je sais pas si dans la prochaine, il y en aura une. Dans la prochaine, il y en aura une, oui. Là ils sont loin du coup ça prend du temps à y aller. Mais ça va, y a pas trop d'ennemis. Du coup c'est pas trop difficile non plus. C'est là je dis ça, je vais arriver là-bas, il y a trois boss boucliers, je vais rien comprendre. Mais ça m'étonnerait. Ils sont pas pupites à ce point là quand même. Et ça me dit, ouais, aller chercher 5 autres ravitaillements qui sont à 1 km chacun de la, de l'endroit. Là, je pète un câble. Non, c'est bon. Ok. Ça vient de là-bas. Ouais, je veux bien le montrer, mais comment je monte? Ah, ok. Par contre, j'ai plus de munitions. Heureusement que c'est pas visé parce que sinon je serais déjà mort. Hein. Ta tête s'il te plaît. Merci. Du bleu. Pourquoi pas du violet? Je veux du violet. Par contre, il devrait aussi modifier la couleur du stuff dans les coffres, hein, parce que sinon c'est un peu chiant, on va dire. Parce que bon, dropper tout le temps du vert jusqu'à niveau 30, je suis moins d'accord que. La morsure du soleil. Ah là là. Oui, c'est la morsure du soleil vient bien de Dragon Ball Z. Hein. Continue à
Aïe aïe aïe. Je te permets pas. T'as bien l'impression, ouais. Chaud, chaud, chaud. Bah, j'ai l'inventaire plein et on a tout fait, donc on va retourner à la base. C'était pas facile. Hein. On doit être largement plus d'une heure de vidéo quand même. Les zones commencent à se faire plus longues. Je sais plus, il y a combien de zones, enfin de missions encore en tout, je dirais 5 grandes missions, j'entends bien sûr. Et donc il devrait nous rester un peu moins de 10 vidéos. Alors il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ah oui d'accord. Niveau 16, niveau 22, niveau 20, niveau 24, niveau 26, niveau 27. Il devrait avoir d'autres missions qui se rajouteront là plus tard. Donc avant de faire tout ça, on va entrer dans une zone de sûreté. Ok, donc on peut mettre des modes enfin. Voilà, donc ça c'est fait. Celui-là, je risque de l'équiper, oui, plus tard. Celui-là, je le modifierai. Sac à dos, non merci, j'ai déjà ce qu'il faut. Les gants, je les modifierai aussi. Un holster. Bon, ouais, on modifiera celui-là, le tout en haut. Niveau arme, il n'y a rien de meilleur, donc les armes on va les vendre. Faut le voir pour le croire, allez, le meilleur choix de Manhattan. Boum. Ah, plein d'argent. Ça fait plaise. Hein. Hein? Comment? Ah oui, non, c'est là, j'ai rien dit. C'est normal. Des équipements avec emplacement à holster aussi, ça c'est bien. Ok. Donc que me vends-tu? Pas mal, pas mal. Mais non, pas de bonnes stats. Tu viens de faire une sacrée affaire. Du coup, non. À moins que. Alors, quelque chose t'intéresse ? Bon, allez. Voilà, très bien.
On va dire qu'on va mettre moins de santé. Je perds combien de DPS en tout? 1000, mais c'est pas grave, je gagne beaucoup de santé, du coup, on fait comme si rien n'était. Ok, donc on va valider ici. Vous savez, j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un comme vous dans mon équipe à l'époque. Vous avez un don pour éliminer. Oh, d'accord. Et donc, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous ferons la zone Grand Merci. Donc avec la zone, avec ça juste ici. Puis ensuite, nous ferons la prochaine vidéo encore Stuyvesant, enfin Stuyvesant, avec la mission là. Suivi de Keep's Bay avec les deux missions. Suivi de Murray Hill avec les deux missions aussi, avec les trois missions. Celle-là, elle va durer longtemps, la Murray Hill. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheZTL.HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo!